Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier épisode de Star Fox 64. Enfin, j'aurais tendance à dire parce que j'avais eu quelques gros soucis pour enregistrer cet épisode. Et je vous expliquerai en même temps que je joue, tiens. Hop. Alors là, je vais enchaîner l'Area 6 et Venom pour que je vous montre le deuxième boss. Alors, donc, c'est parti. Donc, je vous ai dit que j'avais eu des gros problèmes pour faire cet épisode. Parce que, à chaque fois que je le faisais, eh bien, je n'avais pas de... À chaque fois que je finissais l'enregistrement, eh bien, il ne voulait pas s'enregistrer. Ça mettait que les fichiers étaient introuvables ou des trucs dans le genre. Et donc, à chaque fois que je recommençais, ça m'énervait grandement. Donc j'ai demandé la solution et donc je l'ai obtenue et elle est plutôt satisfaisante puisque j'avais même réussi à enregistrer l'épisode de 40 minutes de Pokémon, celui que je vous ai pas montré, l'épisode raté de Pokémon, le 3. Et donc je me suis dit, si j'ai réussi à enregistrer 40 minutes, c'est que je vais pouvoir enregistrer ça. Et donc du coup je me suis mise à réessayer. Alors, ici, c'est une base de défense, donc forcément, il y a des monstres à foison. Et donc, oh là. Et donc, je vais essayer de vous faire, parce que Area 6, bon, il n'y a rien de bien passionnant dans ce niveau. C'est surtout pour Venom 2, quoi, que je vais vous montrer. Oui, j'aimerais bien qu'il me couvre. Alors le truc qui me fonce dans la tronche. Déjà j'ai à peine, ça fait quoi, 5 minutes que je joue. Eh ben j'ai mal au doigt. Bon bah les ennemis missiles, il n'y en a pas beaucoup hein. Et encore avec un accent anglais plus que pourri. Une petite bombe ici. Sont pas capables de se défendre tout seul. Mais écoute, ah ouais, en plus il me fait mal. Punaise, il est pas capable de se défendre et en plus il me fait pas mon épargne. Ah tiens. Le flûte de zut. Andros se manifeste. Oh, j'ai mal au doigt. Forcément, dans Pokémon, on n'a pas besoin de matraquer sa manette pour jouer. Que là, si c'est un petit peu nécessaire de tirer en rafale, comme ça, pour essayer de désinguer les ennemis. Là, un peu plus, il allait me faire rater mon checkpoint. Bon, je crois que le pauvre singe vert, je vais lui bouffer toutes ses escadrilles. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est qu'il est en travers de mon chemin, quoi. Et là, donc je suis désolée si je commente pas trop, mais c'est qu'il n'y a pas vraiment grand chose à commenter là. Et donc, ben voilà. Pour l'instant, je sais même pas quand est-ce que je vais pouvoir mettre en ligne cet épisode. Parce que chez moi... Oh, oh. Parce que chez moi, enfin, c'est super long à mettre en ligne. Et même que parfois ça échoue carrément, vous voyez. Donc je préfère les mettre en ligne dans un autre lieu. Que du secret. Ah oui, envoie-moi les supplies. Bon, même si ça doit pas être le bon mot, mais c'est pas grave. Petite bombe, ça fait toujours plaisir, surtout que j'en aurais besoin. Ah, quoique non, pas dans le Venom 2. Dans le Venom 2, j'en ai pas besoin. Le pauvre, il est en train de se faire bouffer sa flotte par 4 avions et un gros vaisseau. C'est pitoyable.
Alors nous allons au boss. Alors c'est cette chose. Alors le but c'est de tirer dans les boules roses et après de descendre les grosses pinces le plus vite possible, c'est mieux. Voilà. Et évidemment, il nous envoie des trucs à la tronche, un peu comme dans Star Fox Adventure quand vous faites le boss de fin. Eh bien, le boss de fin, Andros, le retour, il vous envoie des petits missiles comme ça dans la tronche à un moment donné. Je crois bien qu'ils ont dû faire un mix de tous les boss de Star Fox 64 pour faire Andros. Enfin non, j'exagère en disant un mix. Je commence sincèrement à plus avoir de doigts, les amis. Allez, rebelote. Ah, puis il bouge et ça fait bizarre. C'est déstabilisant. Parce que d'habitude, le boss bougeait pas, quoi. Ah, bah maintenant, il nous envoie des ennemis qui nous tirent dessus. Aïe. Sympa. Là. Oh oh. Donc là, il va nous faire un super tir de la mort qui tue. Donc mettez-vous dans un coin et croisez les doigts pour que ça vous éteigne pas. Et non, n'empêche, ça fait une super belle, un super beau arc-en-ciel. J'aime bien. Bien, donc tu vas mourir. Qu'est-ce que tu crois que je fais? Ah voilà, là son point faible est dévoilé et vous n'avez qu'à canarder autant que vous pouvez. Bon, avec des bombes ça va plus vite, mais là franchement j'en ai plus. Et j'ai réussi quand même. Oh, j'adore les explosions. Bon, c'est vrai que là à cette époque là c'était pas super bien fait comme maintenant, mais je les adore. Et donc maintenant nous allons sur Venom. Et pourquoi j'ai intitulé ça Venom 2? Bah outre le... Parce que on peut accéder le chemin. Vous avez vu brièvement le chemin que j'ai emprunté. J'ai fait le plus difficile à un prêt. Et donc je n'ai pas rencontré Star Wolf de tout le chemin. Et donc c'est en ça que réside la clé pour battre Andros dans sa vraie forme. Il faut que Star Wolf vous affronte uniquement sur Venom. Ouais, dites tes prières. Donc bien sûr, je vais morfler à fond. D'ailleurs, à chaque fois, j'avais fait des fails soit sur ça, soit sur le boss. Alors j'adore, ils ont l'air tout destroyés, les membres de l'équipe Star Wolf, alors qu'on leur a rien fait, hein. On ne les a pas touchés encore. Et en plus, c'est Salopio, si c'est correct. Et bah, on peut pas les tirer avec le truc, le laser, ils ont un bouclier. Aïe! Mince, j'ai fait une fausse mine. Hey! Bon. Et donc, oui, désolé pour le blanc, mais là on voit bien aussi le fait que leurs vaisseaux sont aussi plus puissants, parce que eux aussi ont acquéri le double laser. Ah, il m'énerve. Et j'ai déjà presque plus de points de vie, non mais sans rire. Attends, j'ai rien fait, j'ai déjà plus de points de vie. J'ai rien fait, non mais c'est dingue. Là, un de moins. Donne-moi le truc. Oh ouais, merci. Ça y est, je les ai paumés. Mais oui, on te croit. C'est moi la meilleure. Bye bye, boo. Bon, lui, il faut que je me... Je peux pas l'encadrer, ce cochon. Moi, je veux le voir en saucisson.
Et puis forcément, il reste... Wow. Mais non, c'est moi le meilleur, j'arrête pas de te le dire. Ça me rappelle des techniques antiques pour se battre. On se tournait autour jusqu'à ce que notre bâton finisse couler. Voilà, c'était comme ça qu'il se battait. Et puis évidemment, les deux autres là, ils m'aident pas. Hein. Plutôt mourir qu'une m'aider. Hein. C'est ça leur philosophie. Hein. Ça y est, je l'ai eu. Et si you can't believe it. Bon, allons zigouiller Andross the vrai form. Alors, je vous garantis pas que je vais le faire sans fail, parce que à chaque fois que j'essayais d'enregistrer ce fichu épisode, à chaque fois je me prenais un fail. Bon, encore heureux, je me retapais pas tout le Star Wolf et tout le machin, mais sans rire, c'est assez ennuyeux. Et donc, j'espère que je vais pas trop faire de fail sur celui-là. Et je vais en même temps vous montrer un truc que j'ai découvert lors de mes tentatives d'enregistrement et qui m'a fait rigoler de tout mon sou, franchement. Allez, c'est parti. Alors, le boss se déroule en deux phases. La phase classique, bah, comme on l'a vu dans l'épisode où je l'ai battu pour une première fois. Donc, on lui tire dans l'œil, on lui tire dans les mains, on esquive, on tire dans les yeux, etc., etc. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus de main et qu'on puisse le tirer direct dans la tronche. Allez, ça y est, une main détruite. Et en plus, il n'est même pas fichu capable de viser. Oh, j'adore, ça va qu'il a pas de bras ni de poignets. Vous avez vu, il a retourné son poignet complètement. Alors, vous envoie une petite bombe quand il aspire. Donc, il avale et boum, il siffle du nez et des oreilles. J'adore. C'est trop cool. Donc, après, vous tirez dans le tas. Et là, nous allons voir sa vraie forme. Qui, franchement, quand vous avez 8 ou 10 ans, c'est la première fois que vous voyez ça. Vous n'êtes pas un petit peu dégoûté, vous avez peur, enfin ça c'est affreux quoi. Un cerveau avec deux yeux reliés par des arcs qui vous parlent. C'est dégoûtant, t'as un môme qui voit ça, il a pas envie de se farcir. Ça fait peur. Et en plus il vous envoie les yeux pour vous attaquer. C'est tout bonnement dégoûtant. Plus les yeux, il y a même le commencement du... comment ça s'appelle ? Du nerf optique. Ouais, c'est ouais. Mais c'est dégoûtant. Et en plus, les yeux, ils vous tirent des lasers quand ils sont en bonne forme. Et en plus, t'as Andross qui essaye de shooter en même temps. Mais c'est franchement dégoûtant, quoi. Y a pas d'autre mot. Moi, la première fois que j'ai vu ça, mais j'ai fait « Ah, oh, c'est pas beau, c'est moche, c'est dégoûtant, j'ai envie de vomir. Je le ferai jamais de ma vie. » Il y a que, c'est que durant mes enregistrements loupés de cet épisode que j'y ai joué pour la première fois. Parce qu'avant, les gens pouvaient toujours courir, je ne faisais jamais le vrai boss. Parce que c'était dégoûtant, voilà. Alors maintenant, on va s'attaquer au problème du sujet, au cœur du sujet, c'est le boss en lui-même. Alors le boss en lui-même, il est vulnérable dans une seule partie de son cerveau, la partie grise. Et faut pas que vous vous fassiez choper par ces sortes de tentacules, parce qu'elles vont vous broyer, mais bien correctement. Et en plus, quand il vous colle au train, je vous explique pas. Le but, c'est d'essayer de le faire déplacer pour que vous puissiez faire des demi-tours et le latter correctement. Et évidemment, les bombes ne lui font rien, hein, ça va sans dire. Sinon, ça serait trop évident.
Bon, là, je l'ai loupé. Et en plus, il se fout de nous. Écoutez, il rigole. Ah non, fous-moi la paix. Non, arrête de me courir après. Téléporte-toi plutôt. Non, non, mais non. Non, mais non, mais non, mais c'est de l'exagération là. Non, lâche-moi. Il y a eu un bug là. Il m'a attrapé, mais j'ai pas eu le point de vie d'enlever. C'est incroyable. C'est bien la première fois que ça me refait. J'aimerais bien qu'il arrête de se foutre de notre quoi. Oui, je l'ai eu du premier coup sans fail. Alléluia, je suis trop forte. Plein de pouces verts, s'il vous plaît, parce que c'est la première fois que je le fais sans fail. Ouais. Mais bon, ce n'est pas fini. Il faut que je sorte de là maintenant. Allez, c'est parti. Et ouais, nous avons le père de Fox direct en ligne. Et il va nous aider à sortir d'ici. Parce que forcément, Andros veut nous tuer en même temps que lui. Alors le but, là, c'est de le suivre. Mais à tout petit coup de... Il faut le suivre à tout petit coup de... d'accélérateur. Parce que sinon, après, on le paume. Déjà que là, je trouve ça pas terrible, la façon dont je me suis prise. Ouh, ouh. Non, non, mais reste avec moi, là, reste avec moi. Oui, suis tout l'instinct. Ah, il est marrant, lui, hein. Quand t'as pas d'instinct comme moi, franchement... C'est pas terrible. Ah, je me suis encore mangé une aile. Et là, vous avez l'impression que le tunnel, il vous paraît hyper long. Et nous avons enfin la sortie. Moment épique. Je vous laisse contempler. Et voilà, j'ai fini sans fail le jeu, je suis trop fière de moi. Ah, ça fait du bien, c'est bien. Ça m'a servi quand même tous ces épisodes que j'arrivais pas à enregistrer. Hein. Et regardez, Fox y cherche. Eh mais non, mon petit renard. Ton père était, que tu as vu, ce n'était que son fantôme. Je crois qu'il l'a compris. Bon, Sly qui est KO, ça on s'en fiche un peu. Wouh, 1150, 207,5. Et je me suis fait une remarque, là, pendant tous mes épisodes que j'arrivais pas à enregistrer, c'est que la seule façon d'arriver à plus de 1000 ennemis abattus, c'est de faire... comment dire? C'est de faire la vraie fin du jeu. je pense pas que je vais vous laisser tout le générique parce que vous l'avez déjà vu une fois dans son entièreté. Et donc je vais vous laisser admirer jusqu'à ce qu'ils arrivent jusqu'à Cornaria et qu'ils voient le General Pepper. Après quand ils vont commencer à courir, je vais couper. On voit 4. Alors nous avons notre Fox National. Super, non mais il devait se sentir quand même super fier de lui, même si je sais que c'est débile ce que je viens de dire, parce qu'un personnage de jeu vidéo ça passe pas. Mais c'est classe quoi. Donc un petit zoom sur à peu près tous les joueurs. Même si nos équipiers n'ont servi strictement à rien à part nous faire chier. C'est le cas de le dire. Et on voit le vaisseau de Kate. Ça, c'est marrant. J'aime bien son vaisseau. Et quand j'étais petite, je crois que je l'ai dit quand j'ai fait l'épisode de The Nest, mais je crois, j'ai tout cru que c'était sa petite amie. Alors, quelqu'un peut me dire si oui ou non c'est sa petite amie ou pas. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Je crois que je suis à sec. Et en plus, je crois qu'ils sont bientôt arrivés à Cornaria. En même temps,
Faut mettre du temps pour retraverser tout le système solaire à l'envers. Hein. Oh pardon. Je sais, je chante mal. Et puis en plus, mon jeu bug au niveau de la musique jusqu'à ce qu'on arrive sur Corneria. Donc, point de vue musique, je m'excuse platement. Et voilà Corneria. On dirait qu'il n'y a pas de continent sur Corneria, il n'y a que de l'eau et des nuages. Bah dis donc, ils ont mis du temps pour débouler sur Corneria. Et voilà, à ce moment-là, la musique ne bug pas. J'ai jamais compris. Bien. Alors, cet épisode est bientôt achevé. Mon let's play complet sur Star Fox 64 est achevé. J'espère que ça là vous a plu. C'était non seulement cet épisode, mais aussi mon let's play entier. J'espère que vous mettrez plein de pouces verts sur mes différentes vidéos de Star Fox, sur celle-ci aussi. Mettez aussi des coms sur cette vidéo notamment. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et n'oubliez pas de réagir à ma vidéo annonce que j'ai publiée il n'y a pas longtemps sur mes futurs enregistrements. Donc, on va laisser parler le général et on va se quitter. Et voilà, c'est sur la phrase de Fox que nous allons nous quitter, car il est temps qu'on y aille. J'espère qu'on se reverra pour un prochain épisode qui sera sur mon let's play de Pokémon. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Salut tout le monde!